نغمة حب وهمسة روح ودقات قلب تقول شو فيها يا عيون بسرار الوجع بتبوح ترسم صور تيفيق ماضيها نغمة حب وهمسة روح Mira, ils veulent me chasser de cette maison. Toi, tu peux les en empêcher, car tu es une des leurs. Leur dis quelque chose. J'ai très bien entendu ce qu'ils ont dit, maman. Mira, je suis ta mère et je le serai toujours, enfin. Rassemble tes bagages. Ensuite, va-t'en de cette maison. Mira. Mira, je n'ai pas d'endroit où aller. Ça, c'est ton problème, pas le mien. Merci les gars. Merci. Merci Mira. Je suis très triste de ce qui s'est passé pour Madame Fatine. Elle le mérite amplement. Elle est la source de tous les soucis. Je ne comprends pas ce qui se passe. Mais il n'y a rien à comprendre. Il est mieux pour vous de ne rien comprendre. Vous êtes un homme très dur, Faraj. Moi, je suis dur. Et vous, vous voulez dire que vous êtes très douce ? La personne que vous plaignez vous prend pour un véritable robot, Malak. Mais parle-moi. Attends, je t'en prie, parle-moi. Mais que veux-tu que je te dise ? Écoute-moi, Mira. Lâche-moi. Je ne peux pas vivre sans toi et toi aussi, tu ne peux pas vivre sans moi, tu le sais bien. Non, maman, je vais te surprendre, mais je peux vivre sans toi. Mira, ma chérie. Ces personnes ne veulent que leur propre intérêt, ils ne veulent pas le tien. Non, ça suffit, va-t'en, sors de ma vie, assez ! Nous n'allons pas prévenir la police, Faraj. N'aie crainte. Est-ce que Monsieur Amir va laisser Karam tranquille ? Écoute-moi. Je ne peux rien garantir. Karam a fait une erreur. Et Amir va le forcer à quitter le pays. Mais où est-ce que Karam va aller ? Voyons-nous, Karam n'a aucun endroit. C'est ici qu'il habite et vous le savez très bien. Je n'en sais rien. Amir va l'imposer. Que Dieu le guide, tu sais combien j'aime ton fils. Que Dieu soit avec lui. Comment va ? Bienvenue. Tu débarques toujours sans prévenir et je ne sais pas quand il faut que je sois prête. Non, t'inquiète pas, reste comme tu es, c'est bon. J'ai du travail à la maison de toute façon, alors... Écoute-moi. Je ne vais pas me répéter, d'accord ? Écoute bien ce que je vais te dire. Si j'apprends que Karam était là, je ne répondrai pas de mes actes. Est-ce que tu sais ce que Karam, ton sale ex-mari, a voulu faire ? Sarah, il a accepté de l'argent que Fatine lui avait donné en échange d'un service qu'il lui avait demandé afin qu'il m'élimine. C'est un sale type. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là ? C'est impossible, Karam ne ferait jamais ça. Impossible, tu dis ? Est-ce que tu voudrais que je t'apporte des preuves ? Quoi, tu veux que je l'emmène ici pour que lui-même il te le dise, c'est ça ? Non, Amir. Non, je te crois. Je n'ai besoin d'aucune preuve. Sarah, restons calmes. Et dans une telle situation, fais surtout rien de stupide. C'est compris ? Oui, j'ai compris.
Je ferai ce que tu voudras. T'en fais pas. Compris ? Compris. Tu dois juste faire ce que je te dis, c'est tout. Tu es content de ce que tu as fait, mon fils ? Que feras-tu s'il te force à t'en aller ? Amir ne fait pas ce qu'il dit. Il est juste un homme devant les femmes. Il n'appellera pas la police et il ne fera rien. Fatine et moi, nous sommes dans la même situation. Et peu importe le cas de figure, j'ai des solutions pour ça. J'espère. J'espère que ce problème te forcera à changer ton style de vie, Karam. N'aie pas peur pour moi, papa, parce que j'ai tout prévu. Si je dois partir, j'irai chez mon oncle pour quelques jours. Je déciderai quoi faire là-bas. Combien de fois t'ai-je dit d'aller le voir, mais tu ne l'as pas fait ? Fallait-il qu'il y ait ce problème pour que tu le fasses ? Le plus important, c'est que je sois convaincu. C'est une bonne chose, même si cela arrive un peu tardivement. Mais préviens-le avant, ton oncle a pu changer d'avis. Non, t'en fais pas pour ça. C'est fait il y a longtemps. L'avait fait même avant qu'Amir ne me mette la pression. Ne t'en fais pas, tout va bien. Tu sais, l'important, c'est que tu ailles bien. Je ne veux pas que tu affrontes Amir. C'est un homme dangereux, impitoyable. Tu sais, je croyais que tu vivais parmi la famille Noah, car tu les aimais. Mais j'ai découvert que non. En fait, t'as peur d'eux et tu voudrais que j'hérite aussi de cette crainte. Tu ne les aimes pas vraiment. Et pour être très honnête avec toi, je n'ai pas peur d'eux, papa. Et je n'ai pas envie d'avoir peur d'eux. Je suis comme je suis. Et déjà tard. Pour l'amour du ciel, décroche, chérie. Allez, réponds-moi, s'il te plaît. Allez. Je ne m'attendais pas à ce que tu traites ta mère comme ça. Mais Nour, ce qu'elle a fait est trop dangereux. C'est une chose que je ne peux gérer. Allez. Vous parlerez à un autre moment. J'en sais rien. C'est juste que je ne supporte pas toute cette envie et cette haine. Oh là 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 là! Que Dieu vous protège, elle est bien trop belle pour toi. Que Dieu vous protège tous les deux, elle est bien trop belle. Bonsoir, Amir. Vous n'allez pas du tout ensemble, mais que peut-on dire ? L'important, c'est que Mira, au fond, est une fille gentille. Mira. Je suis gentil aussi. Et parce que je sais qu'elle est âgée et qu'on doit la respecter, je ne dirai rien aux flics. Subir des abus n'est pas très bon pour elle. Alors je ne vais pas porter plainte à la police. Qu'est-ce que tu dis de ça, nous ? Bah dis donc. Merci beaucoup, Amir. C'est très généreux. Je t'ai toujours dit que Amir est un enfant. Un enfant. Il a juste une grosse moustache. Et c'est tout, c'est Amir. Franchement, je ne sais pas du tout, Amir, alors fais au mieux.
et fais ce que tu estimes être juste. T'as entendu la remarque qu'il a faite sur moi ? Qu'au fond, je suis un enfant et que j'ai seulement une grosse moustache et une voix un peu forte. Ça me plaît beaucoup. Bonne nuit à vous. Amir. Bonne nuit à vous deux. Bonne nuit. Tu es vraiment très jolie. Me touche pas. Toi, la futée, tu vas t'asseoir et m'écouter. Ah, si je ne veux pas. Tu veux que je te dise ? C'est quoi cette comédie que j'ai vue au rez-de-chaussée, là ? Est-ce que c'est la première fois que tu vois cette comédie jouer, dis-moi ? Ce n'est pas la première fois, mais il me semble que tu comprends pas ce que je t'avais dit. Tu vas me forcer à agir de manière mesquine et à révéler ton petit secret. Cesse de me défier, tu ne veux pas arrêter avec tes petits jeux idiots. Écoute-moi bien. Je ne veux plus voir ce genre de scène ridicule se jouer ici devant moi dans cette maison. Est-ce que tu m'as bien compris ? C'est quoi ces bêtises, Amir ? Tu voudrais que je quitte Nour ? C'est donc cela que tu désires ? Mais c'est sûr, c'est bien cela que je veux. Bien sûr, ma chérie. Est-ce que l'amour t'aurait rendu aveugle ? J'ai juré entendre ton cœur battre jusqu'ici. Allez au diable, Nour et toi, et mets un terme à cette histoire dès aujourd'hui. Est-ce que tu m'as bien compris ? Cela est impossible, Amir. Ne dis plus un mot. Va-t'en. Allô, madame ? Monsieur Riyad est là. D'accord, merci bien. Elle vous attend, monsieur. Merci. De rien. Hi. Bonsoir. How are you ? Fine. Comment expliquer ? My big boss is a... up. Where is the room? Vous parlez français? Le français, vous parlez oui, français? Oui. Je parle moi oui. aussi, ça va bien, bien. Ça va. Oui, c'est bon. Mon patron, monsieur Riyad, il vient de prendre l'ascenseur pour monter, mais c'est quoi son numéro de chambre? Qui est votre patron? C'est l'homme qui était là avec les cheveux blancs. Ah oui, il vient de oui, monter. Oui, oui. Il a oublié ses clés de voiture que je garais dehors. Oui. Je voulais juste savoir son numéro vous de chambre. Vous pouvez les laisser ici, on s'en occupe. Mais non, non, c'est impossible. C'est une voiture chère, il doit avoir les clés en personne. Bon, d'accord, attendez une minute. Chambre numéro 308. Thank you. De rien. Thank you. Je suis une mauvaise mère. Je ne suis qu'une bonne à rien. Je n'ai pas été une bonne mère pour Mira. J'ai toujours pensé à moi-même. Je suis égoïste. Ne sois pas si dur envers toi-même. Qui est la personne qui ne commet pas d'erreur ? Le plus important, c'est de ne pas répéter ses erreurs une fois qu'on réalise qu'on les a commises. Si je devais renaître, je ne ferais pas la même erreur, tu peux me croire. Personne ne connaît la douleur de son prochain, n'est-ce pas, Riyad ? Et on ne sait même pas pourquoi on fait des choses pareilles, pas vrai? Sais-tu que je suis seule depuis que je suis une enfant? Mes parents sont morts et j'étais orpheline. C'est pour ça que je suis devenue comme ça. Une fille qui ne sait rien, méchante sans personne à aimer. Ne parle pas comme ça, Fatine. Tu sais à quel point tu es précieuse à mes yeux. Nous avons vécu de précieux moments. Et je ne pourrai jamais l'oublier de ma vie.
Non, ne me quitte pas. Je me sens tellement seule. Comme si personne ne m'aimait. Est-ce que toi, tu m'aimes? Tu sais parfaitement que je t'aime, Fatine. Dis-moi que tu m'aimes, s'il te plaît. Je t'aime. Je t'aime tellement. Je ne suis pas une méchante femme. Bon, arrête, arrête. Qu'y a-t-il, Mira? Dis-moi. Tu ne voulais pas aller te changer? Pourquoi est-ce que tu pleures? Dis-moi. Amir ne va pas dénoncer ta mère à la police, ma chérie. Si tu as peur pour ta mère, alors laisse-moi faire. Je vais l'aider et la soutenir, ne t'en fais pas. Qu'y a-t-il? Je crois que l'on devrait rompre. Assez, Nour. Assez. Mais de quoi est-ce que tu parles? Il s'est passé un truc. Mais quoi? Qu'est-ce que tu racontes, Mira? Tu m'as entendu. Nous ne pouvons plus être ensemble maintenant. Que se passe-t-il? Est-ce que tu me parles sérieusement, là? Après tout ce que nous venons de vivre ensemble? Vraiment? Je ne peux pas le croire, il y a un truc. Que s'est-il passé? Comme tu as entendu, je ne peux plus rester avec toi. Je ne sais pas. Après tout ce qu'on a vécu, est-ce que tu parles sérieusement? Est-ce que tu aurais complètement perdu la tête? Les gens disent vrai. Depuis que je suis revenue avec ma mère, nous ne faisons que blesser les gens autour de nous. Tous tes problèmes avec Maria et votre bébé qu'elle a perdu, tes problèmes avec Fadi, avec ma mère et Riyad, avec Amir, je ne peux plus supporter toutes ces histoires. Assez. Non. Tu as sûrement perdu la tête, c'est sûr. Non, Nour, il ne m'est rien arrivé. Écoute-moi. Je n'ai aucune intention de souffrir pour ça à nouveau. J'ai beaucoup souffert pour être avec toi, pour vivre ces instants avec toi, pour pouvoir vivre cette relation avec toi, et tu me dis que ce sont des bêtises. Je n'accepterai pas ça. Et rien n'est impossible. D'ici une année, tu vas tout oublier. Tu peux te remettre avec Maria si tu le souhaites. Que veux-tu? Que veux-tu que je te dise? Ce que j'entends est complètement incroyable. C'est de la folie. Je te parle franchement. S'il te plaît, Nour, fais ce que je te dis de faire. Je ne veux pas te blesser, ni que toi tu me fasses mal. C'est fini. Mira, nous étions ensemble à l'instant. Il y a quelques minutes à peine. Alors pourquoi tu dis ça? Pourquoi me dire ça maintenant? Mais il y a quelque chose, je ne sais pas quoi, c'est pas possible. Je ne peux pas. Donne-moi ta main. Je t'en supplie, ne fais pas ça. Nour, fais ce que je te dis de faire, s'il te plaît. Je n'ai aucune intention d'écouter tes bêtises. Quand tu auras une bonne raison à me donner, je viendrai t'écouter. C'est compris? Ah.
ne peux pas croire comment tu es pressé. Si tu nous donnais un peu plus de temps, nous aurions plus de temps pour nous préparer. Bien sûr que j'ai hâte, ma chérie. Je suis pressé de me retrouver sous le même toit et dans le même lit que toi. Tu sais ce que c'est. Puis tu vas me demander pourquoi je suis en retard ou pas rentré, peu importe. Je serai le seul à te servir. Que moi, c'est tout. Écoute-moi, je suis peut-être encore plus pressée que toi. Je suis inquiète pour la robe de mariée. Comment vais-je faire pour la trouver en 2 jours? Ma chérie, nous allons retrouver. Nous allons trouver la robe. Et concernant les cartons d'invitation, c'est très simple. Chaque invité les recevra. Tu dois te rappeler que l'organisateur du mariage est de niveau international. Il fera parfaitement son travail. Oh, j'espère que ça ira. Assez chérie, bois ton jus. Je le boirai. J'ai besoin de t'inquiéter. D'accord. Tu ne veux pas manger quelque chose? Je n'ai pas très faim, je veux perdre du poids avant le mariage. J'espère. Je plaisante, ma chérie, je plaisantais. Elle a quitté ma vie. Et elle est partie. Mon cœur me fait souffrir. Je l'ai aimée. Si fort, elle s'en est allée. Des nuits. Tu chantes maintenant? Pleine d'agonie. T'as une belle voix, c'est la première fois que je t'entends chanter. Pourquoi t'es assis seul avec une bouteille? Qu'est-ce qui t'arrive? Il s'est passé quelque chose? Le chanteur a composé cette chanson pour moi. Oula, est-ce que t'aurais le cœur brisé? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien, mon frère. Il n'y a rien, Amir. Je suis juste en train d'attendre d'avoir sommeil pour aller dormir. Sérieusement, tu vas aller dormir maintenant? Tu n'as pas sommeil. Je te connais bien, Nour. Tu ne t'assieds pas seul comme ça si quelque chose ne t'est pas arrivé. Oui, c'est vrai. Il y a un truc. Quelque chose qui me rend fou, Amir. Cela me rend dingue à un point inimaginable. C'est quoi? On ne peut rien dire à toi. Tu ne sais pas garder les choses secrètes. Je ne garde rien dans le ventre parce que je ne peux pas mentir. Je suis très franc et sincère. Et tu sais très bien que je m'inquiète pour ton bien-être. C'est vrai. Nous sommes des frères. Quoi te dire? Je suis très troublé. Je deviens fou. Quand je suis monté, elle pleurait. Tu parles de Mira? Oui, de Mira. De qui d'autre pourrait-il s'agir que de Mira? Oui, c'est Mira. Je sais pas si t'as quelqu'un d'autre. Comment je le saurais? Bon, d'accord, laisse-moi. S'il te plaît. Non. Continue, s'il te plaît. Je t'écoute. Je suis entré, j'ai vu qu'elle pleurait. Et ensuite, elle a dit que notre relation était finie, au revoir. Quoi, c'est comme ça qu'elle l'a décidé? Oui, d'un coup. Bravo. Bravo, cette fille commence une relation et la termine dans un même souffle. Super. Mais il n'y a rien que cette femme puisse faire qui me surprenne. Rien du tout. C'est bizarre. Écoute, je ne veux pas ton opinion. Merci, mais je ne peux pas supporter tes railleries actuellement. Mais je me moque pas de toi, Nour. Tu étais là quand il y a quelques minutes avec elle. Tout doux, d'humeur très romantique. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il y a quelque chose? Qui s'est passé? Je ne sais pas, Amir. C'est arrivé, oui, c'est ça. Tu nous as vus, nous étions bien. Tout se passait très bien, n'est-ce pas? Maintenant, c'est tout l'inverse. Il y a quelque chose dans sa tête qui doit la perturber. Pour te dire franchement, que je sais ce que c'est. Mais c'est toi qui dois finir par comprendre. C'est assez. C'est quoi? Qu'est-ce que tu insinues? Je suis fatigué de te le dire. Parce que mon frère, je te l'ai dit plusieurs fois. C'est clair qu'elle en a après ton argent et c'est tout. Tu veux me dire la vérité maintenant, pendant qu'on s'assoit en toute quiétude à parler? On est bien d'accord. Tu t'attends à quoi, hein? Tu ne veux pas que je sois triste ou fâché. En fait, tu accuses les gens de ce que tu es en train de faire. Tu ne peux pas dire ça. Nour, mon cher frère, ne crois surtout pas que je vais mettre le grappin sur cette fille. Tu veux vraiment nier une telle chose? Non. Tu la voulais, Amiro. Tu la désirais, on le sait tous.
Non, mon cher. Je m'amusais quand je la poursuivais, mais je ne l'ai pas laissée avoir un impact durable sur moi. C'est compris? Je n'ai pas pleuré devant elle lorsque j'ai vu qu'elle pleurait à chaudes larmes. Ouvre les yeux maintenant. Elle se joue de toi, pas seulement maintenant, mais depuis le début, depuis qu'elle est arrivée dans cette maison. Bien. Admettons-le. Peut-être. Admettons. Dans ce cas... Réponds-moi, juste, à cette question. Elle a 600 millions. Pourquoi Mira ne s'est-elle pas enfuie avec? Réponds-moi, Amir. Parce qu'elle planifie d'avoir plus d'argent. Elle ne peut pas avoir que l'argent. Parce qu'elle veut aussi un homme qui lui sera entièrement dévoué. Elle peut avoir son argent et toi aussi. Pourquoi est-ce qu'elle devrait s'enfuir avec? Qu'est-ce qu'elle ou sa mère vont pouvoir en faire? Ce n'est pas comme si elle avait un esprit brillant dans les investissements. Réveille-toi enfin, mon frère. Mais réveille-toi! Tout ceci me fatigue. Je suis triste de te voir dans cet état. C'est bien que ce soit elle qui est rompue. Et crois-moi, à la longue, tu verras, ça te sera bénéfique. D'accord. Allez, monte te détendre et va dormir un peu. Allez. D'accord, vas-y d'abord, je vais te suivre. Allez, monte. Non, c'est... Je vais très bien. Laisse-moi boire et... me détendre. Rien ne mérite ça. Rien du tout. Elle ne mérite pas une telle chose. Pourquoi tu t'inquiètes pour elle? Je suis amoureux d'elle. Que veux-tu? Arrête cette torture. Une perdue, 10 de retrouvée. Tu parles de Fadi, hein? Bon, allez, c'est bon, Maria, va dormir. Maria. Je te souhaite bonne nuit. Oh, Fadi. L'absence qui menace mon cœur qui est aimé et brisé. Mira, je veux pas te déranger, mais je me disais que tu mérites que l'on te traite avec un tout petit peu de gentillesse maintenant, est-ce que tu comprends? J'aurais un marché à te proposer. Ta mère est en dehors de l'équation maintenant, donc ce sera entre toi et moi. Je te donnerai 10% en plus du million que tu gagneras. Tu peux les récupérer, et ensuite, tu peux t'en aller d'ici. Tu es très cruel et déraisonnable. Je me retrouve en dehors de tout. Toi, tu veux négocier 10% et 1 million. Je n'ai même pas pensé au premier arrangement qui a été fait. Eh ben, si tu ne le savais pas au début, pourquoi y penser maintenant, hein? Penses-tu au mensonge énorme de ta mère ou au grand amour pour Nour? Ce serait bien mieux pour toi d'oublier ton amour pour Nour. Sois bien plus avisé. Je te conseillerais de prendre cet argent et disparaître de ce pays. Avant qu'au final, tu te rendes compte qu'il ne te reste plus rien. Je dis ça pour ton bien. Je ne peux rien faire du tout. J'ai un contrat que j'ai signé avec Nour, qui prend fin après une année. Et tu ne peux pas le rompre, ce contrat? Non, ma jolie. Tu vas le rompre. Quel est ton intérêt à finir l'année? Tu veux la passer avec Nour? Crois-moi, cette année ne te sera pas bénéfique. Mais elle va te garder sur le qui-vive et elle sera très très dangereuse pour toi. Tu me menaces? Tu crois quoi, que je joue avec toi? Tu penses que je suis quelqu'un qui joue? Fais ce que je te dis de faire. Le temps presse. Thank you.
Hey! Que fais-tu? À quoi ou à qui penses-tu, Maillard? À qui tu crois je pourrais penser, chérie? Mais très bizarre. Je pense juste aux gens et leur vie, c'est juste à ce genre de choses que je pensais. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien, ma chérie, c'est juste que je n'ai pas fermé l'œil de la nuit à cause de ce que j'ai vu hier. Qu'as-tu vu, Maillard? Chérie, j'aime beaucoup cette famille et ma belle-maman, alors je ne veux pas causer une situation qui pourrait envenimer les choses. Alors, que se passe-t-il? Le problème, c'est que je ne peux pas parler à ton père. Qu'est-ce que je pourrais lui dire? Écoute, Maillard, tu me rends anxieuse. Que se passe-t-il? Hier soir, chérie, j'ai entendu ton père dans la maison. Il est sorti et je l'ai suivi. Et il est entré doucement dans sa voiture. Et moi, j'étais curieux. Je l'ai pris en filature. Ton père s'était rendu dans le grand hôtel qui se trouve près du supermarché, tu le connais? Oui. Calme-toi. Ensuite, il est monté à chambre 308. Qu'est-ce qu'il y a dans la chambre 318? Dis-moi! Madame Fatine. Attends, t'es sûre? Cette femme ne peut-elle pas nous laisser tranquilles, ma famille, mon père et ma mère? Tu vas voir ce que je vais lui faire. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Du calme. Tu ne dois pas te fâcher et causer des problèmes comme tu le fais d'habitude. Asseyons-nous tranquillement et mettons au point un plan commun. Il faut que je le dise à Maria. Non. Tout le monde sauf Maria. Je suis pas un mouchard. C'est compris? Sinon je te jure que je vais quitter cette maison, hein. Je veux pas de soucis. Alors tu te calmes. J'ai beaucoup d'estime pour ma belle-maman, Luna. Eh oh, oublie ça. C'est bon, je vais tout régler. Tu es encore décidé à divorcer? Amir, de quoi est-ce que tu es en train de parler? Si ton frère n'avait pas pris 4 avocats, nous serions déjà divorcés. Il a embauché 4 avocats parce qu'au fond, mon frère sait qu'il ne veut pas divorcer. Il t'aime et je le sais très bien, nous en avons parlé plusieurs fois entre frères, lui et moi, tu peux me croire. Tout ce qu'il a fait jusqu'à présent est pour vous deux. Nous deux, tu dis? Sans doute pour son bien, parce qu'il peut se marier et vivre sa vie. Moi, je serai divorcée et sans un sou. De quel bien me parles-tu, Amir? Maria, ton bien, c'est de rester mariée. Près de ton mari. Ton mari t'aime, mais il fait une crise d'adolescence, ça ne dure pas. Et toi, tu le quittes et la laisses pour une fille comme elle? On sait tous qu'il est en train de faire une crise. Ça va lui passer, mais toi, tu le quittes? Amir, ils vont se marier et toi, tu me dis que c'est une crise d'ado. Que reste-t-il? Maria, ma chérie, garde ton sang-froid. Et ne sois pas stupide. Tu sais très bien que je m'inquiète pour ton bien-être. Si ce n'est pareil, c'est beaucoup plus que Nour. Cette histoire va prendre fin. La comédie qu'il joue va se terminer. La justice va prévaloir. Les intentions de cette femme sont très claires. Elle est venue pour prendre l'argent et ensuite, elle va partir. Mira n'aime pas Nour pour un sou. Et de toute façon, ça ne va pas durer. Parce qu'ils ont... Ils ont rompu hier. C'est quoi le problème entre vous? Pourquoi rompre? Ouais, vraiment? Tu le sais déjà. Amir en parle à tout le monde, très ouvertement. Ce n'est pas possible qu'après tout ceci, que vous vous quittiez, en une nuit. Mais c'est arrivé, Fadi, c'est tout. Quand j'ai dormi... À mon réveil, j'ai compris que ce n'est pas ce que je voulais. Je ne veux plus de cela. Tu me mens. Et pourquoi je mentirais? Parce que quelqu'un qui aime comme toi ne peut pas abandonner. C'est dans ton sang maintenant. C'est comme une vraie addiction. Demande-le-moi. Parce que je sais. On ne peut plus reculer. Maintenant, peu importe ce que Maria peut faire,
Je ne peux cesser de l'aimer. Peut-être que... toi, tu as aimé Maria beaucoup plus que moi, je n'ai aimé Nour. J'essaie de te croire. Mais je ne peux pas. Libre à toi. Si tu disais la vérité, tu prendrais tout l'argent tout de suite et tu partirais. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Pourquoi est-ce que t'es resté? Qu'est-ce que t'en penses, hein? Bonjour, Leila. Est-ce Bonjour. Que monsieur Nour est là ? Bien sûr, il l'est. Merci. Entrez. Bonjour, Nour. Bonjour. J'ai les rapports sur les matières sur lesquelles tu m'as demandé de t'informer. Merci. Pourquoi tu ne les as pas fait envoyer par quelqu'un? Je passais juste par ton bureau. J'ai entendu dire que Mira et toi avaient rompu. بترسم صور تايفين